Et nous sommes repartis pour du XCOM 2, War of the Chosen. Vous avez apprécié l'épisode d'avant? Il était plein de rebondissements, etc. On a failli passer, mais ça s'est bien passé. Donc nous avons 30 heures munitions expérimentales. On va pas faire passer le temps. Alors, on va faire passer le temps. Nous avons un coût de contrat réduit. Coup de contact, pardon. Coup de contact. Ah, c'est pas mal ça. Calcul du nouveau cap. C'est pas mal ça. Ressources stratégiques localisées. Ok, très bien. 16h. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Parce que moi, je voulais faire du contact. Non, en fait, en fait, je voulais créer une antenne. Pour baisser le coût du contact. Mais là... Ça peut être utile. Ça nous économiserait en fait un peu d'argent. Ah, c'est 8 jours par contre. Hein. Donc c'est un peu beaucoup, mais... Ah, ok, munitions AP, cool. Cool, cool, cool. Munitions AP. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? Je devrais voir si des hommes ont fait le compte des extraterrestres abattus. Alors, armes lourdes expérimentales. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les mettre. Qu'est-ce qu'on a à faire exactement? On a du protocole d'écran bleu, c'est pas mal. On a l'armure war. Un noyau, ressources. Alliage, cristaux. Le mec il passe à travers l'écriture, c'est marrant. La war nous aiderait pas mal, c'est vrai, la war nous aiderait pas mal. On a fait déjà les recherches et tout. Nous nous mettons au travail tout de suite, commandant. Dès que le projet est prêt, je vous contacte. Ah, ok. Armure lourde expérimentale. C'est quoi l'armure lourde expérimentale? Ouais, parce que si on peut déjà faire l'autre armure, on n'a qu'à faire la serpent aussi. Il nous reste 400, on a encore... Ouais, ça va, ok. Ok, on va rester comme ça. On nos a recherches fusil plasmique. Comme prévu, commandant. Ok, on a les autopsies là à faire. On a déjà donc. Constante de mes activités. Je suis un peu. Docteur Chen commence à se relâcher. Je suis un peu perturbé. On a déjà fait ces recherches là apparemment. Confiance, si nous voulons parvenir à nos fins. De nouveaux ordres, commandant. On a déjà fait ces recherches là. Honnêtement, je ne pensais pas. Ok, après on a les... Ah oui, on a aussi les objets achetés, voir inventaire, fabriquer des objets, ouais, c'est ça que je voulais faire, armure. Les rechercher, on les a, mais... Oui, après il faut les créer, voilà, d'accord, ok, c'est bon. Ouais, là il nous faudrait 600 et il nous faut des cristaux d'Elerium, il en faut 75, ça c'est pour des armures gardiens. Ça c'est des armures gardiens, tout le monde va avoir les augmentations, ça c'est cool. On a aussi le châssis... Anodisé pour le spark. Le spark, on l'utilise beaucoup. Donc à la limite, je dirais pourquoi pas l'augmenter au maximum. Et du coup, on n'a plus d'argent. Il va falloir faire attention. Qu'on soit pas piégé en fait contre le. Comment ça s'appelle Je dois rendre justice aux extraterrestres. L'invasion était une chose, et leur technologie de pointe leur donnait nettement l'avantage sur nous. Ah, c'est pas mal. Mais nous n'étions pas prêts à affronter Advent, même avec un meilleur équipement. 4 jours. Entre leur propagande, leur travail. Oh, arrête de me parler, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, faut, avec le projet Avatar, parce que là on peut pas attaquer les bases, donc voilà. Bref, du coup bah, on est un peu obligé de prendre ça.
Le Psylab est opérationnel. Très bonne nouvelle, on peut faire des psy déjà. Très très bien. Psylab. Ah, disponible ingénieur, ok, ça marche. Ah oui, faut qu'on achète. Faut qu'on prenne des. Forceur d'armurerie. Recruter. On prenne des recrues. Cher des recrues. Hector. Ah mon dieu, leur tête quoi, elle est horrible. Après il y a des personnages en fait du roster que j'ai déjà fait. Ça c'est Four Eyes de Resident Evil. Ah mais les autres ils sont tous... Allez c'est bon, ok c'est bon j'ai compris. On va prendre elle. De toute façon on peut en mettre qu'un seul pour le moment. Ouais il faut acheter le... Voilà très bien. Alors est-ce qu'on a besoin vraiment... Ouais, parce que sinon après c'est... Ouais c'est... ça serait très long. Okay, on va rester comme ça, on est bon. Let's go. 14 jours, ok. On est bien. Désolé, hein, je réfléchis un peu en même temps pour ça. Plus secoué, très bien. Il se remet ses blessures, le Spark il est opérationnel. On met ses blessures, très bien. Ok, très bien. Plus secoué. Ok. La cible du mois. Alors, en théorie, on devrait prendre que des ressources, je pense. Bon, par contre, c'est du très difficile de détruire le relais extraterrestre. Ah, ça, c'est un peu chiant, ça. C'est avec timing, etc. Ça, j'aime pas. C'est pas trop mon truc. Ah, là, nous avons du renseignement difficile. Cryptage trajectoire augmente tous les coups en renseignement de 100%. Coup de, en renseignement de 100%. Ça, c'est emmerdant, ça. Et là on a du... La probabilité de voir des élus apparaître au combat augmente. Ça c'est pas vraiment très très important. On a un ranger. On a compte rendu tempête psionique. La signature énergétique sur le lieu de la mission indique une forte présence d'ennemis psioniques. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense qu'on va faire ressources. Je pense qu'on va faire au saut. Tempête psionique. Là, on est sur le territoire de l'assassin. Reine des lames. Ok, go. Nous mettons le cap sur l'est des États-Unis. C'est parti. Une quantité anormale d'énergie psionique imprègne le secteur, commandant. Je présume que des extraterrestres au pouvoir psionique sont sur le terrain. Commandant, un de nos soldats doit être équipé du Jack et devra l'utiliser sur le terrain si nous voulons atteindre notre objectif. Alors je sais pas trop qui ça pourrait être en fait, vous voyez ? Je sais pas trop qui ça pourrait être comme monstre. Donc ça veut dire quoi ? Des... comment ça s'appelle ? Merde, les monstres de base peut-être. Donc on peut les one-shot avec le coup de poing. Vous voyez, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des monstres plus puissants? J'ai un peu un doute, je me rappelle plus vraiment comment ça se passe. Donc c'est un peu la merde. Le spécialiste ici. Le combat, très bien.
pote avec Mox. Alors, est-ce que ça fait un peu trop bourrin? Est-ce que c'est pas un peu trop bourrin? Alors, grenadier. Spécialiste, ranger, sniper, éclaireur, quoi. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire du coup, on va équiper tout le monde avec des boucliers manteaux. Ok, bouclier mental. Toi t'as l'armure exo, ça te donne la roquette, c'est ça? Ouais. Rechargement gratuit, visée, action bonus. Donc on a la roquette. Tu vas nous mettre... toxique. Glacial. Toxique glacial requête, ça c'est bien, c'est pas mal. Monsieur. On va prendre un lance-car au magnétique. J'ai des munitions AP. La munition AP avec fusil à pompe, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Lui il peut pas en mettre pour le moment, enfin il peut rien mettre. Et toi, ta mission griffe, c'est ça? C'est celle qui détruise l'armure, ça? Délate une fois qu'elles sont pénétrées, provoquant dégâts internes, augmente les dégâts et les coups critiques. Ah non, c'est juste dégâts et les coups critiques, d'accord, ça marche. On a la hache ionique. On va prendre la hache ionique. Ah, très très bien. Enfin, est-ce qu'on prend vraiment ça? À la limite, balise l'heure, ça pourrait être plus intéressant. Non? Parce qu'on n'a pas de balise l'heure. Moi, j'aime jouer avec la balise l'heure. Là, c'est bien parce que la grenade, il peut en avoir deux. Et il va tirer plein. Normalement, il en a deux. Vos grenades infligent plein de dégâts. L'utilisation supplémentaire d'une grenade à emplacement réservé aux grenades. Voilà, grenade. Ah, c'est bien. Alors, on en a deux. Et après, on a des explosifs, donc on peut détruire les armures. À la limite, on lui donne les munitions AP. Voilà. Let's go. C'est pas mal. On regarde un peu les points. On a 13 points. 14. Impeccable. Si vous tuez ouais, plusieurs ennemis pendant votre tour, vous gagnez un déplacement supplémentaire. Ça peut être pas mal. Puis 2 balles. Atteindre obligatoirement leur cible en échange d'une grande quantité de munitions. Ça, c'est pas mal. On perdrait... Pardon. On perdrait un point. À la limite, on prend ça. On prend ça parce que plus de balles... C'est un coup à 100% quand même. Ça, c'est très très important. Enfin, c'est... Honnêtement, moi, je trouve ça vachement utile. On a le tir de couverture. Sur... C'est la vigilance déclenche pour toutes les actions ennemies, pas seulement les mouvements. Non, c'est pas top. On a course et tir. Course et tir... Alors, protocole de détraquage et protocole de scan. Scan, c'est pas intéressant. On a les deux protocoles là, de combat et de médical, c'est très bien. Détraquage, non. Par contre, la course et tir. Alors, on perd pas trop de points. Ah, très bien. Let's go. On est bien. On prend. Est-ce qu'on prend un truc
sticker les gens là. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Je dirais non, on n'est pas encore là, non, on n'a pas vraiment besoin. Let's go, elle a l'air pas mal l'équipe là. C'est un peu une équipe de killers. Enfin j'espère. Mercure déployé. Paré au déploiement. Ça devrait bien se passer. Là, on a des gros personnages. Et des bonnes armes. Shen a capté une étrange série de transmissions provenant de cette région. Et elle semble émaner d'un relais de communication caché qui transmet vers le réseau d'Advent. Nous ne pouvons pas laisser passer la chance d'interrompre la progression de leur dernière opération. Nous allons donc détruire ce relais. Neutralisez les contacts hostiles en présence, bouclez le site et détruisez la cible. C'est parti. Menace 1-5, le relais de communication est droit devant. Allez-y et détruisez la cible. Comme attendu, les signaux détectés dans cette zone peuvent être attribués à différents extraterrestres au pouvoir psionique près de notre position. Je préconise la prudence, commandant. Ok, je viens de voir un peu. C'est vrai que j'avais oublié cela, là. Ce sont des... Ils peuvent faire des boucliers et tout ça. Ok, on a 7 tours en transfert de données. 7 tours. Ok, ok, ok. Est-ce que nous avons des relais à détruire? J'ai pas l'impression. Tu peux passer toi, putain, faut que tu fasses tout un détour. J'y vais. Ça va être un peu dur de se déplacer. Combien, je voudrais bien savoir combien a de points de vie ça. Faudra qu'on, faut vraiment, ça va être notre objectif le principal, c'est de savoir combien ce machin a de vie. Confirmed. Il se dépasse pas très très loin. Ok, ça c'est cool, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça, c'est pratique pour nous. T'as vu des gens. Ils ont que 13 points de vie. C'est pas... C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Mais il y en a beaucoup. Enfin, ils vont s'entraider, tout ça. C'est ça, le problème. Il faut utiliser le fait que ils se voient pas les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours protégé par des trucs, donc bon. On va pas... tout activé en même temps, c'est ça que je veux dire. Eux, par exemple, il faudrait les défoncer très vite. Il faudrait les défoncer très vite. Ok, 6 tours. Ça marche. Understood. Moving out. On peut passer, ok. Moving to position. We're near the objective. Commandant, on a identifié 4, le relais 5, extraterrestre. 6, enemy sighted. Oh, waouh, 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 ok.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ok, ça marche. J'y vais tout de suite. C'est possible qu'on doive combattre maintenant. Head now. Alors il y a eux là, eux on les évite, on va rentrer. Si on se met là, il va en voir. Ce qui fait chier, c'est cette fenêtre. Parce que... ils vont les voir à travers. C'est possible que là, on active tout le monde en même temps, en fait. Et c'est ça que j'ai peur, un peu. No hace falta repetirlo. Le robot qui passe à travers, c'est super. Vigilance. Ok, s'ils voient le robot, c'est pas grave. Oh là! Non, ça va en dedans. Ah, ils viennent tous vers nous, hein, c'est fou, salaud. Ils viennent tous vers nous. Oh là 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 là. Ah, ah. Feu à volonté! Cible abattue! Protecteur. Ok. J'ai droit à une médaille! Protecteur. J'ai peur qu'il se fasse tirer dessus, Vector. J'aime pas ça du tout. Watch the flanks. Il y en a énormément. Il y en a énormément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Eh ben putain. Et on a 5 tours pour détruire ça. Ok. Ouais, vous rigolez pas quoi. Je vois pas comment Vector arrive à... alors là... ouais, là je vois pas trop. Ouais, on va réfléchir. D'abord, je voudrais savoir... la frappe a augmenté. 12. Okay. Non, 11, pardon. 11, 11, ils ont 13 HP. Très bien. Par contre, ça peut toujours niquer ça en un tour. Ça, c'est bien. On a le protocole de combat. Ok. Je pense qu'on va devoir utiliser la baliseleur. Je pense que toi, il faut que tu passes en obscurité. Y'en a derrière ou pas? Non. Voilà. Ok, très bien.
Oh, tu peux la balancer par le trou. Intéressant. Ok, là tu pourras en toucher deux, ça marche, ok. Après on a lui là. On a les deux là. C'est pas mal, c'est pas mal, ok. On a un explosif. Puis après on pourrait tirer avec... avec lui. Ça fait un peu loin quand même. Il va pas pouvoir. Ça fait un peu loin. On pourrait tirer à la roquette à la limite. À la limite, tirer à la roquette. Ça ferait deux morts. Je pense qu'on va faire ça. Déjà. Deux morts. Deux morts à la roquette. Après, il y a toi. Toi, t'as un bon contournement avec le lance-carreau. Il y a des grandes chances que tu one-shot. Et après, il nous reste le robot. Alors, est-ce que ça serait pas mieux que tu contournes celui-là ? Pas mieux que tu contournes le deuxième. Comme ça, le robot, il peut s'occuper de lui. Vous voyez ce que je veux dire? On va d'abord balancer l'overdrive, déjà. Donc déjà, il peut aller beaucoup plus loin, maintenant. Il peut aller sur tout le monde, sauf le truc. On peut faire ça, fais ça, let's go. Cinq. Esquiver cet enfoiré. Mais il va pas esquiver ça. Bah merde. Et maintenant tu fais un critique. Merci. Merci. Alors ce qui est marrant, c'est que tu me dis que tu vois de... Ah oui, non, il est sur cette ligne, donc si on se met là, on peut contourner. Ah, c'est parfait. Parce qu'il y a une fenêtre, il va tirer par la fenêtre. C'est bien qu'on lui ait pris ça, hein. C'est bien qu'on lui ait pris cette habilité. Je sais pas pourquoi il y a écrit 0%. Ça, c'est un bug du truc, parce qu'il y a écrit... il y a contournement plus 40 en coup critique. Là, on a 70... C'est pas 0%, là, c'est quasiment 100%. Que ça stun. N'a pas critique par contre. Ça stun pas. Ils sont peut-être immunisés au stun. Ok, on va essayer de bien la placer parce que là c'est un peu la merde. Elle est bien. Ouais, elle est bien là. J'ai un petit doute. J'ai un tout petit doute. Alors si on peut empoisonner, ce serait le top, mais ça me... Oh. Ok. Est-ce que ça aurait peut-être pas mieux la requête par contre? Lui, il est passé en stase. Okay. On a encore 5 tours pour détruire le truc. On va mettre une balise leurre. Ok.
Là, on a quoi? C'est Vindic, c'est les fermes. Utilise grappin pour attirer une cible. Et là, c'est pour. Pour approcher d'une cible. Ok, on va tirer lui. La décision est prise. Allez, ramène-toi. on l'a fait passer par. Lacération à 6. On a un coup de fouet. Coup de fouet qui est gratuit. Après, il nous reste quoi? Il nous reste elle. On a le lancer de hache. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est que personnellement, je lui aurais pas mis le leurre sur elle. Mais le truc, c'est que. On a très peu de personnes qui peuvent porter des choses en fait. Donc, du coup. Ce qui est emmerdant, c'est qu'on est toujours à 1 point, hein. Vous avez remarqué ? Toujours un petit point qui peut pas tuer, etc. Empoisonné. Ouh, toi t'es excité toi. Ah, il va tirer par la petite lucarne. Très bien. Lui aussi. Ah lui aussi. Tu devrais mourir toi, je veux pas dire. Ok, balise-le. Moi j'ai un bon tour. Ok, 4 tours, concentration. Si le robot lui peut directement foncer. Et il fait extrêmement mal. Seront tous vengés. Ça le fait avancer en même temps. Si ça marche. Tu vas le tuer. Taz ? Merde. Ok. Donc du coup il a avancé, très bien. Crapin. Crapin, crapin. Ok, il peut pas aller trop loin. Je crois qu'on va faire un trou. Vous êtes prêts? Comme ça on aura une belle vue. C'est parti. C'est pour ça que j'ai pris l'augmentation. Ah, très bien, là on a une belle vue dégagée. Magnifique. Alors je sais pas si on les laisse en vie ceux-là avec 1 HP. Ils sont encore empoisonnés mais ils risquent de perdre l'empoisonnement en fait je crois. Ah, faudrait les avancer en fait. Voir un peu. Là elle peut pas se cacher. Elle pourrait se mettre là à la limite. On tue lui au fusil à pompe et après il reste que lui.
Et comme ça, elle est juste à côté. On fait ça ? Allez, go. On leur colle au train ! C'est parti ! Ah, elle est juste à portée, c'est parfait. 6 à 8, hein, avec 50%. On fait du œil de lynx. Ah! Allez, on se reprend. Ah, ça s'est vraiment mal tombé. Mais il y a encore toi, c'est vrai que tu as complètement oublié. Ah ouais, il y a encore toi. Cargado y listo. C'est le plus dangereux. Et comme j'ai dit, je suspecte que le poison va partir en fait. Je suspecte grandement que le poison parte. Parce que le poison part au début des tours. Donc attendez, parce qu'il en reste pas lui, et après il y a lui en stase. On va le tuer. You want some more? 0% parce qu'il est mort. On se met là et on se met en vigilance. Eh, hey, bouge. Enfin, je crois que Mox va te couper en rondelles si tu bouges. Ah non. Si si. T'es sérieux? Waouh, la chance. Contrôle mental. Ouais non mais c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ok. En avant le massacre. Six à huit, c'est pas mal. Père, c'est vraiment surpassé, n'est-ce pas? Lui, on va le garder pour l'Overwatch. Ah oui, l'acération, il peut pas la faire tout le temps en fait. J'avais oublié ce détail. Il n'y a aucun endroit. El marcha. Je vais tester parce que je voudrais que ceux qui soient en avant soit prêt pour ce qui arrive et soit prêt et qu'on puisse détruire le truc en un tour, comme ça on n'en parle plus, vous voyez ce que je veux dire. Et lui il fait extrêmement mal. Lui il fait extrêmement mal, donc je préférais l'avoir en. Et elle, à la limite, vu qu'elle a. Elle a protecteur, ça serait mieux de la mettre en vigilance et de pas tirer. Vous voyez un peu le truc ou pas?
Est-ce qu'on peut pas faire un truc avec Mox, genre passer par derrière avec le grappin? Nope. Si on se met là, on aura peut-être une meilleure vue par contre. On aura un bonus. Après on pourrait se mettre derrière le robot. Ouais, on va faire ça. On va faire simple. On va faire simple. Elle, on la bouge pas parce qu'elle a une chance de faire vigilance plus d'une fois. Ah, donc, c'est ce qu'on veut. Œil de lynx, ça fait plus de dégâts. Ok, on va voir ce qu'on a. On a du lance-flamme et du... Ouais, ça va. Ouh, ils ont de l'armure. Allez, Lupo. Oh, déjà. Ah, ils ont pas beaucoup de vie en fait. 9, 10, ouais, ils ont pas beaucoup de vie. Lupo. Et merde, elle a loupé ce truc. Ouais, il est empoisonné. Hein. Ça va. Ok. Mission d'abord. They've got eyes on me. Gratuit. Lui, si je me rappelle bien, il peut péter, c'est ça? Je vais voir, attends. Votre première consiste à lancer une grenade ou tirer avec l'arme lourde, mais elle ne met pas fin à votre tour. Parfait. Coming your way. Coming your way. Il y a encore deux tours. J'ai peur qu'il y ait un élu en fait. Pas un élu ou alors un chef alien. C'est pour ça que je veux vite m'en débarrasser de toutes ces conneries là. Je voudrais faire... En un tour, je voudrais tuer les deux. Plus... Plus détruire le truc. Je crois que Mox peut tirer deux fois. On peut toujours le geler, hein. Il y a toujours ça. Comme vous voulez. On va le détruire. Menace 1-5, destruction du relais confirmée. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents. Ah, et le 100%. La zone. Voilà, c'est bon.
Eh oui, pas besoin de bouger. Oh ouais. Je reste en observation. Pas besoin de bouger du tout. Je vous relève. Oh chef. Raté ? Variante de l'Archon doit être le sujet modifié par le docteur Vallen pour ses expériences. Elle n'aurait pas dû améliorer leur équipement. Pas étonnant que ces choses aient pu s'enfuir du labo. C'est l'occasion qu'on attendait. Abattez cette chose avant qu'elle puisse s'enfuir. Ah. Je l'aurai la prochaine fois. Ok, restons cool. Faut le lance-grenade. Faut qu'on recharge. Ready to go. On a du 11 de dégâts. On va détruire son armure. Adarkania. Il va bouger. Non, ça. On va détruire son armure. Qu'est-ce qu'on fait? On le punch ou on tire? Je pense qu'on va tirer. Je recharge. Très bien. Leur plan d'arrêt n'est pas mal non plus. On va attendre, on va la garder cette. Ça roule. Je voulais me mettre derrière le robot, mais lui il fait des AOE. Tu me fais chier. Bien reçu. Je demande qu'on abatte l'unité qui me tient dessus. Ça a loupé. Oh oh. La chance. Ok, tu me fais chier. Take this. Ce qui est con, c'est qu'on a plus d'empoisonnement, on peut rien. Ah, ce serait bien de le stun. Pas stunné. Il essaie d'attraper l'un des nôtres. Ne le laissez pas faire. Ça a loupé. Non, oh, bien, ça a ignoré. En plus, ça a fait une critique. Anéantir, anéantir. Ok, le robot il peut tank.
Je bouge. L'intégrité de cette machine faiblit. Putain, ça fait mal. Oh la vache! J'ai un peu esquinté la cible. Oh, exécution qui a marché! Cible à terre! Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Les ors durcis, mais pas la assez pour vache. Nous affronter. C'est du beau travail, les gars. J'ai hâte de commencer à examiner le sujet dès qu'il sera renvoyé au laboratoire. Nous pourrions profiter des expériences réalisées par le docteur Vallon. Ah, ouais, qu'exécution, c'est top. Hein? Honnêtement, notre ennemi, c'est pas top. Persiste à hanter les oh la vache. Mettant tout en œuvre pour détruire tout ce que nous avons construit. Il veut nous ramener au chaos de l'ancien monde. Oh la vache, ça pète. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons le repousser. Unis dans l'amour que nous portent les anciens, nous vaincrons, coûte que coûte. Honnêtement, je crois que c'est le pire, en tout cas pour moi, je crois que c'est celui-là que je déteste le plus entre les trois. Parce qu'en fait, il a énormément d'esquive. Il bouge partout. Je pensais que nos recrues auraient besoin d'un temps d'adaptation. Il a beaucoup de. Enfin, il a des esquives, genre il peut complètement esquiver. Il est dur à cibler, hein, il est dur à viser. Mais surtout, il a un très haut pourcentage de faire esquive. Et du coup, ça vous fait quasiment pas de dégâts, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très chiant. Bon, par contre, le robot, il a pris cher. Commandant, je peux procéder à l'autopsie du dernier cobaye de Vallon dès que vous m'en donnerez l'ordre. Nous avons là une occasion unique de faire progresser nos recherches, au-delà de nos connaissances actuelles. Nous devrions le faire au plus vite. C'est un travail remarquable que vous c'est avez accompli énormissime. À la tête de la résistance, commandant. Niveau 2 atteint. Attendez, du coup, comment ça se passe? Je me rappelle plus. Ignorer, action. Pour renforcer une liste de soldats doivent être envoyés ensemble au centre d'entraînement. Ok. C'est qui est niveau 2 du coup? Oula, je suis perdu. Réorienter, renforcer les liens de frères d'âme. 6 jours. Voilà, ça va. Non, me dis pas que j'ai envoyé celui-là qui a monté de niveau. Et du coup, je peux plus l'en... Eh merde. Bon, c'est pas grave. Alors, on pensera à lui remettre un niveau après, quand il sortira. Ah ouais, non, mais... Nous recevons un message non sécurisé top, d'un quoi. Qui dit s'appeler Van Dorn. Pas vraiment le genre de recrue dont nous avons besoin. Vraiment top, quoi. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Là en deux missions, on a bien rattrapé le coup. Enfin, on était déjà bien, hein. On était déjà potable, très très potable. Mais là, c'est vrai qu'on a fait des très très grosses avancées, mais extrêmement vite. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les renseignements, les ressources surtout. De l'alliage aussi, pour faire les armes et les armures. Et après, il va falloir toujours faire très 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 attention au projet Avatar. Le projet Avatar est embêtant. Le projet Avatar peut être très très embêtant. À cause du fait que le... S'il monte encore deux crans, on est obligé d'attaquer une base. Vous voyez, parce qu'on n'a toujours pas débloqué de base. Hein. On peut pas le faire après, on peut faire le jack. Mais voilà, j'aime pas être pressé, moi. J'aime pas être pressé. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Il faudrait pas qu'on se fasse prendre à revers. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Salut. Ciao.